Nil Guiparisi, c'est un match compliqué aujourd'hui. Vous avez été au repos forcé pendant 10 jours. Qu'est-ce que vous avez fait sur la glace durant ces 10 jours pour essayer de préparer ce match au mieux ? Voilà, quand même continuer à garder le rythme pour se préparer à ce match-ci. Parce qu'on savait qu'on allait avoir 10 jours de pause, justement. Le coach a bien géré, je pense, quand même le fait de, sur ces 10 jours, de monter graduellement l'intensité des entraînements. Et puis bah, ce soir, ça n'a pas fonctionné malgré les 10 jours. Justement, vous avez parlé de votre coach, Dani Gélinas. Quelles ont été ses consignes en début de match et ensuite durant les tiers pour essayer de vous remobiliser alors que vous étiez mis sous une grande pression ? Bah, le mot d'ordre de ce début de match, c'était le game start. On savait que, bah, on venait de 10 jours. On savait que le début du match allait être très important pour nous. Puis malheureusement, ça s'est vu. 3-0 au bout du premier tiers. Donc malheureusement, ça a pas été l'objectif n'a pas été atteint. Et comment il a essayé de vous remobiliser après ce premier tiers difficile ? Bah sur la pause, de nous dire de continuer, de ne pas lâcher. C'est passé le premier tiers, puis maintenant on était dedans. Donc après, ça s'est vu sur le deuxième tiers, on n'a pas pris de goal, on a quand même essayé de pousser, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné sur le deuxième tiers encore. Merci beaucoup, Neil, et bon match lundi à Getse. Merci beaucoup.